Zifloun, bonsoir à vous tous, c'est Jokerwan, j'espère que vous allez bien. Avant de faire mon tuto, je tiens à vous inviter à s'abonner sur ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir bénéficier à chaque fois de nouvelles vidéos que je partage. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe et ma page sur Facebook, d'ailleurs je vais laisser tous les liens dans la description de la vidéo. Mon tuto d'aujourd'hui va être sur la technologie du multistream. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi cette technologie et comment fonctionnent les récepteurs, c'est-à-dire les appareils qui ont cette technologie. Évidemment, ce tuto, je vais le faire en deux langues, c'est-à-dire je vais l'expliquer en français et en arabe pour toucher tous mes abonnés ainsi que tous les gens qui veulent savoir un peu plus sur cette technologie. الفيديو اليوم راح يكون على تقنية الملتي ستريم، وفي هذا الفيديو سأشرح لكم ما هي هذه التقنية وما هي مميزات هذه التقنية والأجهزة التي تدعم هذه التقنية وكيف تعمل هذه التقنية. Stream est une technologie qui permet l'envoi par satellite de plusieurs paquets de chaînes. Et quand je dis paquet de chaînes, c'est-à-dire un groupe important de chaînes, une fréquence qui comporte un ensemble de chaînes, et de faire diffuser ces chaînes-là à travers un satellite sur des endroits souhaités, c'est-à-dire les endroits où on a procédé pour la vision de ces chaînes-là. Et c'est pour ça que cette technique s'appelle le multistream. D'ailleurs, moi, je vais vous faire un petit exemple pour bien comprendre comment fonctionne cette technologie. Retour sur mon PC pour vous faire bien comprendre la technologie du multistream. Et comme vous voyez là, j'ai préparé une petite plateforme pour vous faire bien comprendre le fonctionnement de cette technologie. Si vous regardez sur la gauche, vous allez voir que j'ai pris trois terminaux. C'est juste des exemples, c'est-à-dire le premier va émettre des chaînes TNT, HD et SD. Le deuxième va émettre des chaînes sportives. Le troisième va émettre des chaînes radio. Toutes ces chaînes vont être accumulées et transférées dans le modem. Le modem est un dispositif qui a la faculté de moduler toutes ces chaînes et de les transformer sous forme de paquets de données. Ensuite, le modem va envoyer ces paquets de données sur l'émetteur. Après, l'émetteur va envoyer ces paquets de données sur le satellite Eutelsat 5, c'est-à-dire le 2.5, celui qui va diffuser ces chaînes du multistream. Chez vous, il vous faut avoir un récepteur équipé de la technologie du multistream. D'ailleurs, moi, j'ai pris exemple sur le récepteur géant OTT 754K. Et il vous faut aussi avoir une assiette parabolique de grande envergure, vu que pour capter, c'est-à-dire pour capter les chaînes du multistream, il vous faut avoir un bon signal. Et pour avoir un bon signal, il vous faut avoir une grande parabole. Une fois que vous avez, c'est-à-dire capté un bon signal et que vous avez ajouté les fréquences dans votre récepteur, le récepteur va collecter les paquets de données à l'aide des fréquences installées et de transférer ces paquets de données dans le récepteur. Comme vous savez tous, le récepteur est équipé d'un tuner particulier et développé. C'est pour cette raison que cette technologie n'est pas disponible sur tous les récepteurs. À l'aide de ce tuner particulier développé, le récepteur va démoduler, c'est-à-dire les paquets de données et de les transformer de nouveau sous forme de chaîne, c'est-à-dire les transformer comme ils étaient envoyés lors de la première fois. Enfin, le récepteur va envoyer ces chaînes et de les diffuser, c'est-à-dire et les diffuser sur votre téléviseur. Et comme ça, vous allez profiter de toutes ces chaînes TNT et chaînes sportives et chaînes radio sur votre téléviseur. Et vous pouvez aussi avoir toutes ces chaînes à l'aide d'une seule fréquence. Voilà. D'ailleurs, je vais expliquer ce tuto en langue amazigh, vu qu'il y avait beaucoup de gens qui m'ont demandé cela. لي تزوالا كنت ويام ذاك يخمات اون فوتو باش تفهم ام كي تيحو لا تكنولوجي ما ثمويم على غوش نون زاد تويم بليك خمات ثياثا لي ديمو زاد ام زوند لي ديمو
لي ديمو يجي شاكيون ذا شو لي شانا دي شيكا دير مزوارو يجي دي شيكا لي شان روميان اكسان لا كاليتي هانا اكو لا كاليتي موين و سينا جي دي شيكا لي شان لسبور و سي تي جي دي شيكا لي شان راديو لي شان جي كوني ادرو حتى لاباراي لاباراي جي زعما مدينة متاغا و سان اكزمارن اتسر لي شان جي كلي لي دوني تا مورت لي دوني يمكن ادن سي فيراتين لا باراي يجي ادي شيغان لي دوني يجي ليميتر ليميتر زمان ما هيدين يمكن ادن لونتين تان قرانت اك زمان اد شيغان لي دوني يجي سا ساتيليت ام بعد دوخام يا قاون اتسام اديمو اكسان لا تكنولوجي يجي الميتستر اكو زعني يا قاتسام لا بارابول تان قرانت خطر باشين اتفض لي شناقين هي قد سام السينيال دانقران وباش تسام السينيال دانقران هي قد سام لا بارابول دانقران او مو اتسام ايميتلا واش لا دي سنتيم ام بعد زيكو ديمونون هي اتنوم لي فريكونس اديون لي شناقي ام بعد لي فريكونس اجي ادخمت شويه فردان باش ادرحت تبراهين زاد ادرحت لي دونيني و ادخشمت سديمو ام بعد الديمو يجي يسا يتغوص اساس داخلي ادير 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 استغوص يجي اكزمار والديمو يجي ادي ديكودي ادير لي شانين امشي دروح ادير خاطر استغوص يجي اكزمار والديمو يجي ادير ادير شو لي دوني يجي تبرا هنا قد لي شان اما كان دروح تسم زوالو ام بعد الديمو يجي ادي جاي كل شان يجي باش يحتويض اف تلفزيون اكس دي اتش واي لي شان روميناغي لي شان سبور اكو لي شان راديو اكو لي شان اكو جلان وزمان ما كنت وايم لي شان اكي زكي وس لا فريكونس بريف سي تو سكو جي ا فو دير سور سيت تكنولوجي Chaque fréquence se comporte d'un ensemble de chaînes, c'est-à-dire quand je dis un ensemble de chaînes, c'est un groupe important de chaînes. Et chaque groupe de chaînes comporte un nombre, c'est-à-dire des catégories, pardon, de chaînes. On peut y trouver des chaînes HD, des chaînes SD, des chaînes data, des chaînes radio, etc. Et tout cela, on peut le trouver uniquement sur une seule fréquence. Ces fréquences sont projetées à travers des satellites, tout cela dans le but de diffuser les chaînes qui sont sur ces fréquences, c'est-à-dire les chaînes les fréquences qui captent ces chaînes-là, c'est-à-dire de les diffuser sur des endroits qui ont des situations géographiques importantes. Et quand je dis situation géographique, ça veut dire, exemple, il y a des pays où on ne peut pas capter le signal, où on ne peut pas capter, pardon, des satellites comme Astra, Nilesat, etc. C'est-à-dire, avec cette technologie, elle va nous permettre de regarder quelques chaînes même si on n'a pas capté ces satellites-là. C'est-à-dire, on va comprendre par tout cela, c'est-à-dire le satellite va être une liaison entre la fréquence et l'endroit où on a procédé pour la vision de ces chaînes-là, c'est-à-dire elles meurent. Pour regarder toutes ces chaînes, il vous faut avoir un récepteur équipé d'un tuner particulier développé. Et quand je dis un tuner particulier développé, c'est-à-dire que je prends un exemple sur ce récepteur-là, géant OTT 754K, tous les récepteurs ont un tuner, mais la clé maîtresse est dans le microprocesseur du récepteur. C'est-à-dire c'est lui, la clé maîtresse, c'est lui qui ordonne, qui va donner des instructions pour le bon fonctionnement de cette technologie. C'est pour ça que cette technologie n'est pas disponible sur tous les récepteurs. Voilà. L'avantage de cette technologie, c'est-à-dire elle va vous permettre de regarder la TNT française en toute gratuité, c'est-à-dire sans avoir recours au serveur Internet. Et vous pouvez aussi regarder des chaînes sportives, etc. Mais il vous faut avoir un serveur et un abonnement Internet. Pour regarder toutes ces chaînes, il vous faut avoir un bon signal qui dit signal dit assiette parabolique. Si on prend exemple sur le satellite qui diffuse les chaînes du multistream,
le satellite Eutelsat 5 2.0, c'est-à-dire celui sous le nom de AB1, pour y ajouter les fréquences qui ont ces chaînes du multistream, il vous faut avoir un bon signal, ce qui nécessite une assiette de grande envergure, c'est-à-dire une assiette au minimum de 1,10 m. Sinon, vous n'allez pas à capter un bon signal pour y ajouter les fréquences du multistream. D'ailleurs, j'avais trop de commentaires de beaucoup de gens qui m'ont dit sur des commentaires pourquoi nous, on dispose de ce genre de récepteur, mais on n'arrive pas à capter ces chaînes-là. Le problème, c'est celui-là, c'est-à-dire peut-être qu'ils ont des assiettes, des petites assiettes, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à capter un bon signal pour faire marcher ces chaînes sur ces fréquences. D'ailleurs, c'est le même problème avec les chaînes BLQ sur le satellite Badr. Il y avait trop de gens qui m'ont dit pourquoi nous on capte Badr, mais on ne capte pas c'est-à-dire les chaînes BLQ. C'est pour ça. Vu que si vous n'avez pas une assiette au minimum de 1,10 m, vous n'allez pas capter un signal qui va faire marcher ces fréquences. Bref, dans l'ensemble, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est-à-dire en langue française. Mais je vais procéder, c'est-à-dire je vais refaire ce tuto en langue arabe pour faire, c'est-à-dire expliquer aux gens qui ne comprennent pas la langue. Sur la fin de la vidéo, je vais laisser des photos de quelques récepteurs et comme ça, vous allez connaître les récepteurs qui disposent de cette technologie. Voilà. Et maintenant, je vais procéder sur l'explication en arabe. الملتستريم هي تقنية تكمن في الإرسال الفضائي لعدة محتويات عدة مجموعات عدة قنوات معدة مسبقا لإعادة مرة أخرى إرسالها إرسال هذه المجموعات مشاهدة هذه القنوات بمرحلة أخرى وتسمى مرحلة الإرسال الأرضي ويقصد بهذه التقنية تقنية الملتستريم البث المتعدد هذه المجموعات هذه المحتويات القنوات تقسم على ترددات وكل تردد يكمن مجموعة متنوعة من القنوات ويمكن أن نجد على تردد واحد قنوات SD وقنوات HD ويمكن أيضا أن نجد قنوات أرضية وقنوات الداتا وقنوات الراديو وكما قلت مسبقا يمكن أن نجد جميع هذه القنوات على تردد واحد وبأقل تكلفة الطريقة تكمن في إرسال التردد عبر القمر لاستقباله وإعادة بث القنوات التي هي في التردد في مناطق ذات مواقع جغرافية بعيدة في مناطق ذات تضاريس جغرافية غير مطابقة مثال كاين بزاف دي بي او اون بو با كابتي quelques signaux ou de quelques satellites. وبهذا نفهم أن القمر سيكون وسيط بين التردد والمنطقة المراد التقاط هذه القنوات. لاستقبال هذه القنوات يتطلب أجهزة ذات تونر خاص ومتطور وبهذا السبب هذه الخاصية تمشي على بعض أجهزة الاستقبال. أنا جبتكم بمثال بجيون أو تي تي 754 هذا الجهاز فيه تقنية الملتي ستريم وعنده تونر خاص مي البروبلام هو ماشي اونيكمون في التونر هو في الميكرو بروسيسور تاعو يعني الميكرو بروسيسور اللي يعطي الخصائص التي يمكن بتشغيل هذه الخاصية في الريسيفر التقاط الإشارة اللازمة لتشغيل هذه القنوات يجب عليكم أن تتوفروا بصحن كبير على الأقل 1 متر و10 سنتيمتر لأن هذه القنوات هذه الترددات تتطلب إشارة كبيرة لتشغيل القنوات قنوات الملتستريم على القمر إيتلسات 2.5 هذه الخاصية تمكنكم بمشاهدة الباقة الفرنسية باقة TNT بالمجان بدون سيرفر وبدون انترنت ويمكنكم مشاهدة بعض القنوات الرياضية وقنوات أخرى لكن يتطلب سيرفر انترنت
Bref, j'espère que ce tuto saurait bien vous aider et j'espère aussi de votre part de m'aider à améliorer en donnant vos avis à travers des commentaires et des likes et pourquoi pas la faire partager entre vos amis. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, c'est-à-dire, je vais laisser quelques récepteurs qui ont la technologie du multistream et comme ça, vous allez connaître les récepteurs qui ont cette technologie. Bref, c'était Joker One et je vous dis à une autre fois sur d'autres tutos. Merci à vous tous. Salut.